T'as juste que les gens ils passent là vite fait, parce que quand ils vont entendre mon anglais, ils vont dire mais lui c'est un con en fait. Hello everybody to all my French friends. How are you? Where I am today? I am in Santa Monica, Los Angeles, California. C'est incroyable. On est ici parce qu'il y a DJ Quick et Ornette La Frappe qui tourne un clip ici à Los Angeles. Ils nous ont appelé, ils nous ont dit est-ce que vous êtes chaud de venir passer voilà, 2 jours ici avec nous pour suivre le clip. On a dit bien évidemment qu'on est chaud. Donc là aujourd'hui, ils vont nous emmener dans un endroit somptueux, je pense, dans l'après-midi. On va découvrir tout ça avec eux et vous allez découvrir tout ça avec nous. Donc on vous y emmène. Let's go, c'est parti. Elle a le temps, Mac, chevelure brune. Dans la brume, elle a l'air tendue. C'est pas les bleus, c'est l'embûche. J'ai fait la loc du week-end. Rassuré, je mets la panenka. C'est un talent débité. Sans oser être calamé. J'aime aussi les bombes de Pologne. Come in my house. We are arrived to a desert. To desert. And video clip is coming. Parlez que en anglais en fait, ça c'est mieux. Ouais, c'est comme ça, genre c'est en mode genre je suis dangereux. Check l'arme, check l'arme. Là, si on envoie ça à l'aéroport, tu rentres plus. Hein. Hey, Nico, regarde l'arme, regarde l'arme. Regarde l'arme. Ouais. Mais là, c'est une fausse, non? Ouais, c'est une réplique. Ah, elle est bien faite, hein? Ouais, elle est bien faite. Elle est lourde et tout, on dirait ça. Et là, comment tu te pointes le bras? Moi, je suis à Bagdad, frère. Ça tire comme ça, wesh. Ça, c'est Bagdad, ça. Ça, c'est Denzel dans Training Day quand il fait mieux. À l'aéroport, tout le monde va être bloqué. Ça va être mon frérot? Ça va être bien aujourd'hui, ouais, de ouf. Putain, ça fait plaisir ici. Hein. C'est vraiment les States, mais chaque endroit où tu rentres, ouais, c'est les States, c'est en fait, t'es genre dans une scène de film. Ouais. C'est fou. Tellement le cinéma, il est tué ici. Un direct du Busca, wesh, Lockman. Aïe. Il va tout niquer. Ouais, my friend. We are just arrived. Ah, my friend. Son anglais LV2. Joke. Tu en rennes partout. Marbella, c'est bien Thaïlande. Non, c'est carré. Merci, Ornette. Merci. Merci. Le décor est magnifique. C'est vraiment super. On dirait qu'on est dans Breaking Bad. Ouais, c'est en mode 70, tu vois. C'est chaud, mec. En mode de cigarette à droite brûlée, tout ça. C'est délire. Ah ouais. Je dors. Et si vous cherchez Ornette, il est là. Une petite sieste ici. Gigi. Et les gitans, ils ont tout compris en fait. Merci. RCA. Gitans, putain. Tu prends ta chop, tu pars partout. Ça va, je pensais que ça allait être du sable. Ça... Ouais, ça m'est. Non, ça c'est réel, hein. Ça pique de fou le truc. Hein. En fait, c'est que j'ai trébuché dans le truc. Mais ça, c'est pire que les orties. Ça, j'ai roulé sur la. Putain, c'est la deuxième. Toi, tu vas tomber aujourd'hui. Toi, en gros, tu vas arriver. T'es en voiture dans Los Angeles. Tu vas arriver, tu vas rejoindre ta meuf. Et en gros, donc elle est plan, elle, de toute seule dans la villa juste avant que t'arrives. Donc toi, il y a toi qui conduis la voiture. On arrive à la villa, tu la récupères, vous partez. Elle comprend qu'il y a un problème. Et donc là, après, c'est là où on arrive dans le désert. Et en fait, vous venez vous planquer. Ah, ok, d'accord. Ouais, vous venez vous planquer, en fait. Ah, c'est la toi, planque ici. Toi, tu runs, ouais, c'est ça, tu vois. Et après ça, du coup, on arrive ici. On fait le plan là-bas à la station service, je sais pas si t'as vu. Ouais. Et il y a un playback à la villa. C'est comment? Tu vas bien, tranquille, tranquillement. Ça va, deux heures, trois heures, il y a de la neige. Et la bouffe, elle est bonne. Tu t'envoies que des cookies, toi. Hein. Ouais, franchement. Non, mais ici, c'est trop aussi. Moi, je vais rentrer, je vais être boule. Un kilo en un jour, c'est incroyable, j'ai jamais vu. Je suis en train de faire un
5 titres, 5 clips, 5 singles que je vais balancer. Okay, je vais pas donner de nom. Okay. Je vais pas donner de nom. Okay. Je vais juste envoyer des singles comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et après on va les retrouver ensemble sur un... Après on va les retrouver, mais sûrement pour l'instant je suis en train de travailler single par single. Okay. Là j'en fais 5, après je vais en faire peut-être 5. Peut-être voir plus, et après je vais tout regrouper pour pouvoir faire quelque chose. Mais pour l'instant, c'est single par single que je fais. Ok, parfait. Ouais. C'est pour le kiff. C'est pour le kiff, voilà. Okay. Histoire de dire que, voilà, on est là, on balance des trucs. Quand t'as la chance de travailler avec des artistes que tu peux avoir aussi, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Les artistes ont répondu présent. Donc voilà. Okay. Frérot Hornet, je l'ai appelé et tout. Ça fait un moment que je voulais le faire. Il m'a dit quick, vas-y, y a pas de problème, vas-y, il est venu au studio, on a enregistré, voilà quoi. Bah écoute, nous on va suivre les 2 jours de tournage avec vous. Y a pas de problème, et, hein. Vous voilà. Êtes la bienvenue, hein. Ah, merci beaucoup. L'équipe, merci. La team. Merci, c'est la carré. Team, la team, la team. Toi, BG, ça se passe? Tranquille, là, t'enchaînes sur un deuxième point. Je pense que c'est... Ici, dans le coin, tu vois pas? Ça rentre. T'as commencé à t'émassacrer en fait. Parce que dans le ciné, on est en mode. Ah, Malka, tu ok, connais, c'est en mode, là, t'es un peu en cavale là. Là, je suis en mode dans le délire. Là, c'est la planque ici. Oh, faut que tu me prennes quand je dis du sale. Moi, je suis que pour du sale. On va aller dehors là. Là-bas là. Du sale. On sait pas ce qu'il va faire, en tout cas c'est facile. Ah là, je vais dire du sale, là, tu vois, bip, je vais dire un truc. On va s'abîmer ce soir. Ah voilà, hein, ce soir on s'abîme. Le caméraman, tu ranges ta caméra ce soir. Et tu nous emmènes dans les endroits. Tu sors ta. On va rentrer Nahes, c'est tout ce qui va se passer en fait. J'ai bien aimé le truc avec Fred aussi. Ah, dans Fred la goma. Mehdi, ouais, Fred Mehdi, ah, Fif, ouais, c'était lourd. C'est galère. C'était lourd. Les anciens. Les anciens, exactement. T'as vu la musique urbaine, ça commence à bien monter, donc. Ah, oui. Faut pousser le truc, tu vois. C'est bien. Ouais. Franchement, c'est grave. Et toi, le fait que tu vas dans le quartier, voir les artistes, les nouveaux qui commencent à arriver, c'est bien, tu vois, c'est lourd. Il faut leur donner du respect, de ouais, la force. C'est lourd. C'est important. Je te jure. Si on se base que sur les gros artistes, en vrai, on va la marcher. Exactement. Et ben moi, je suis plus dans ce délire-là, tu vois. Non, je vais faire encore des trucs. Là, on va se revoir. Ouais, on va se revoir. On va se revoir. Avec quoi qu'on se voit aux quatre coins du monde. Elle veut dire rendez-vous en Australie là. Je te jure, on va se revoir. Ok. Elle voulait que j'arrive, moi. Elle voulait son sac de marque. Elle faisait la diva. Elle faisait la diva. Elle voulait que j'arrive, moi. Elle voulait son sac de marque. Elle faisait la diva. Elle faisait la diva. Elle voulait que j'arrive, moi. Elle voulait son sac de marque. Qui côté latina. On est tous dans le pick-up. On va arriver ici. Vous allez sortir devant et après on va couper, on va... And you're gonna like just stay in front of the car and check around like if everything's okay. Right? Elle voulait que j'arrive moi, elle voulait son sac de marque, elle faisait la diva. Elle voulait que j'arrive moi, elle voulait son sac de marque, elle faisait la diva. Donc là je vous explique l'équipe, on va regarder un petit playback pour voir si la coordination avec le son et mon... ma gestuelle... La gestuelle Cordon, voilà Cordon, j'ai trouvé le mot, bien sûr. C'est moi, t'es bon, bref. Gros coup franc, je vais tirer là. Ouais, c'était juste ça en fait. Je t'ai cassé les couilles juste pour ça. Demain, la ville, elle va être là-bas. Demain, la ville, elle est à Beverly. Franchement, je pense que tu vois. Moi, je l'ai visité. Tu vois, kiffé. Je crois qu'il faut une blanche, je pense. Tu penses pète. Avec quelle couleur, la ville La ville, elle est, tu vois, beige un peu. Tu vois, ça se voit que c'est un latino qui l'a. Tu vois, c'est un peu. Il faut tu un sais cartel quoi, de tu fais une scène dedans. Ouais, mais tu sais ce qu'il faut, il faut des couleurs vives qui ressortent. Après ouais, c'est un truc été. C'est un son bien chaleur. Ça veut dire soit tu te mets en blanc, soit tu te mets en couleur. Mais après Après, mais là, il est 21h30, on est cuit, on est KO parce qu'on a le décalage horaire encore, on est arrivé. Putain. Il reste encore un plan à faire. Dans la cabane de Breaking Bad là, et après on style, donc on va suivre ça, on va voir ce qu'Ornette il nous dit là sur la fin de journée, et après tu connais. Go sleep, hein. Go sleep, il a dit. Alors j'avais cassé la cheville, hein. Ah, c'est réel, hein. I'm tired. Préparer le plan de ce soir. Ouais, look man. Voilà. Tu leur as dit, Alex, tu vas ce soir? Ah, viens, ouais, Ornette, ah, bah parfait. Les gars. Tu leur as dit, Alex? Ça va où ce soir? Un petit bateau. Ornette, on va où ce soir? Vas-y, explique le programme. Moi, je leur ai proposé Santa Monica à Fort du Trône.
Ils ont dit ouais, on est à Los Angeles, tu connais là, ici c'est culturel. Il y a culture. J'ai dit c'est quoi? On dit on va dans une teubo, j'ai dit. Oui, mais c'est lui, il a fait ça, c'est Francky. J'ai la quad, il a dit c'est comme une chicha sauf qu'il y a des cubes. Comment j'aurais dit les gars? Tranquille, non, on va la Fort du Trône, hein. Ah, le poteau Alex, mais c'est fermé. Arrête de me dire Fort du Trône. Alors là, t'as dit quoi là sur le clip? Petit débrief là, on est où? Qu'est-ce qui manque? Hein? Il manque quoi? Il manque quoi? Je suis KO. T'as encore de la force. Quelle heure? Il est 9h dans notre tête. Quelle heure? C'est match, il est match. 6h du matin. C'est match. C'est dur. Hein. Décalage, on est jet lag. Jet lag. Là, on est des gens, franchement, on est venus pour travailler. De ouf. T'as vu, on est des gens. Tu connais, frère, on est pas venus. On est venu dire, on est fatigué, tu vois. Avec la tournée, les Bercy pleins. Tu vois. Là, je fais Arena dès que je rentre. Arena. Arena. C'est une nouvelle semaine. Tu connais la tournée et tout ça, c'est frère, tu vois. J'ai pas le temps de m'amuser, tu vois. Tu t'as fou, working. Il s'est arrêté à la douane, il dit ouais, bah derrière, il devait se présenter. Il dit ouais, please, your computer. Il prend le computer. Avec la douane, il est bresson, lui, il fait quoi? Il tape Arnett la frappe sur YouTube. Il met ses peuclis. Je suis dans mon vol, je pense à toi. Quand tu peux faire que ça, après, je vais pas voir les clients. Your computer. Ah, ouais. Oh, dingue. C'est fou, c'est pas si crème, hein. Je ferais la kiffer un peu. Direct. Voilà, direct. Là c'est des steaks. Ils sont leur délire. C'est prêt? Ouais. Sûr? Ok, let's go. Carré, allez, let's go. Et après Francky, on va vous t'a dit. Ouais, vas-y hein. Tout pour la culture. La famille, journée de tournage terminée. Ouais. Ornette, c'était comment? Voilà, attends, c'était attends. C'était cool l'interview. Attends, je reviens. Ornette, cool. Ornette, c'était comment? Franchement, c'était bien. Franchement, bonne aventure. Ça ouf. On dirait qu'on sort des anges de la télé-réalité. On dirait pas qu'il vient d'être éliminé. J'ai été éliminé. C'était une belle aventure. C'était une bonne aventure. Non, c'est un vrai délire là. T'es dingue. Mais c'était bien, franchement. T'as cuit. C'était bien. Franchement, on a passé un bon moment, tu vois. Et tout le monde ici, c'était pas. C'est un dingue. C'est un délire, hein. Vas-y, hein, bah, c'était un délire. On conclut sur celle-là. Famille, on est cuit, biscuit. Franchement, je dis la vérité. Décalage horaire, on s'y est pas encore fait. Là, il est vraiment 8h du matin dans notre tête. Et là, en réalité, il est quelle heure? Il est 22h35 ici à Los Angeles. Donc, on va finir cette journée. On va aller se reposer pour l'équipe Bouscapé. Après, pour l'équipe Ornette, Lockman, je sais pas ce qui va se passer. Pour SC. Ah ouais, se reposer. Demain, grosse tournée aussi, tu vois, grosse journée. Grosse tournée. L'Arena bientôt. Demain il fait 3 Bercy dans la journée. Non là on est KO. Et ouais, demain on enchaîne. Merci, fin de tournage. À demain. La famille, c'est une nouvelle journée aujourd'hui en direct de Los Angeles. Bon là, il n'y a pas le décor, on est dans la chambre d'hôtel. On a rendez-vous à 11h pour poursuivre le clip avec Ornette La Frappe, avec DJ Quick et toute l'équipe de fous malades que vous avez vu hier. Donc aujourd'hui, il y a du soleil, je pense que ça va être cool. Bonne ambiance, donc on y va. Hein. On va aller rejoindre les autres dans le hall de l'hôtel. Et c'est parti, let's go, new day again. Fais un petit tour de chez moi. Vas-y. Allez, venez. Ici, c'est le bar. On va cuire. Donc, le je sais même plus parler. Le frigo bien rempli. Regardez, il y a le match. Hein. Oui, il y a le match. Il a commencé. 1-0 là pour le City. Mais non. Ah ouais. C'est pas marrant, voilà, c'est pas marrant. Je connais chez moi. Hein. Si le Real il gagne, il va dans la piscine. Si City il gagne, je vais dans la piscine. Oh putain. C'est chaud ou pas? Moyen hein. Parce que le Real ils sont à la maison, ça veut dire que je suis pas à mon avantage. Vas-y hein, go à fond derrière City. C'est bon. On a qu'une vie. Mais franchement moi je pense que le Real est... Enfin, il y a 70% de chances qu'il gagne, hein. 80 même. Riyad Mahrez.
Moi, je suis pas pour City, je suis pour Guardiola. 1-0, 72e minute. Bah, 5-3 en score cumulé. Ils ont exactement 18 minutes pour mettre 2 buts. Ça va être dur. Manchester City est en place. Ornette Lafrappe est en plein tournage. Mais quand il va revenir, c'est avec grand plaisir qu'on va lui dire qu'il va jumper dans la water, dans la swimming pool. Let's go. C'est pas fini le match, il est pas fini. Oh la dingue. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? On vous l'a dit ou pas? Je t'ai dit ou pas? On vous l'a dit ou pas? On vous l'a dit ou pas? C'est dingue. On vous l'a dit ou pas? Mon cœur il était serré. Deux buts. Réal. Oh là là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il est rentré, je t'ai dit, ce mec il met trop des buts importants cette saison. Colombien, prépare ton slip de bas. Colombien, slip de bas. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est là? Putain, bah ouais, non, j'ai vu le score. Que le score. Non. Eh. Wesh, je fais quoi lui? Ils ont mis deux buts. Mais. Oh. Ah mon gars, Penalty! Penalty! Oui! Penalty! C'est ça pour Nev. Bien sûr. Bien sûr. Il a fait brûler comme un oiseau, regarde ça. Bien sûr. Penalty. Ah oui, le corps il allait à gauche. Rappé, c'est ton histoire. Oui! Rappé, Nouébé! Tu vas aller dans la piscine! Mets ton slip de bain, directement! Ah là là, c'est un sacré câble! 6! Putain! C'est des hommes, c'est un vrai, c'est des hommes! Colombin! Ornette Lafrappe, putain, je voulais qu'il aille dans l'eau! Non, en vrai, franchement, vas-y! En fait, je suis en train de défendre une équipe qui n'est pas la mienne, ça me rend ouf ça! Je vais aller à l'eau pour City! Barça, t'es pas pour City? Non, je suis pour le Barça! Contre Real, il est pour une équipe morte! On peut trouver un accord. Tu peux réfléchir, t'as toute la journée. Un mois de promo Bouscapé. Dans chaque émission, il parle de moi. Une dédicace pour moi. T'as dire son blaze. Attends, je vais réfléchir à mon truc. Vas-y. On va négocier, hein. Tu connais, la vie, c'est une négociation. C'est rien n'est fermé. Ça, faut que vous sachiez que rien n'est jamais fermé. On a eu une information. Le public, je ne mens pas. Croyez-moi sur parole. On peut pas sauter dans la piscine. Le propriétaire a dit on peut pas jump in the swimming pool. C'est ça qu'il a dit mot pour mot in English dans les mots. Okay. Moi j'ai réfléchi à une petite idée, tu me dis si t'es d'accord. Vas-y. C'était le match du Real Madrid, Manchester City. Ouais. Si on fait gagner un maillot du Real au public, petit concours, tac, aller sur Instagram, c'est bon ou pas? Là c'est le maillot c'est entre ses mains. S'il dit oui, franchement c'est bon. C'est carré? C'est carré. Je voulais pas que tu te mouilles. C'est bon. Merci. Le Real, il a gagné. Merci, vous avez gagné un maillot l'équipe. Bravo le Real Madrid. Merci. Bravo Cabenueve. Je ne saute pas dans la swimming pool. Effectivement. C'est un deuxième maillot. Je mets l'ombrella, brella, brella, croise-moi, elle est Sunny, Preda, qu'est-ce qu'on en a mêlé? Des grandes, c'est ma, paye-nous aujourd'hui parce que demain c'est loin. La copine, voici la police passe. J'ai réparé son cœur avec un peu d'espèce. À mes côtés quand ça part en chasse, elle a refait ses rêves, elle a refait ses fesses. MDM, mais je l'ai pas connu. Ouais, un paquet de chiffres en l'air. Mais ça ouf. La rue paquet c'est la levée. Comme la ceinture de la WWE. Placement de produit, ma gueule. Je connais, hein. C'est grâce à eux on est là, et merci. La famille, on a commencé cette vidéo en direct de Santa Monica, Los Angeles, California. Et là on est où? On est Sunset, on profite. Ils ont profité du coucher de soleil pour faire un dernier plan ici même. On est en train de profiter de cette vue, j'espère que vous kiffez aussi. En tout cas, moi je trouve ça extrêmement beautiful. J'ai froid là, vraiment bien. Genre Los Angeles, là j'ai froid à Los Angeles. Et hop, et là on démarche chez GTA. Tu le maîtrises, hein? C'est ça ou pas, attends? Il est con! Ah, mais il est stock, hein, son épaule là! Fin de tournage, c'est super bien passé. Après, tu vois, c'est dommage, c'est un peu cool, on rentre demain déjà, ouais, en mode express. C'est passé vite, hein. J'ai même pas eu le temps d'acheter une paire de baskets. Mais tranquille, on est venu pour le taf, on reviendra Inch'Allah. Et voilà. C'est
carré. Quand t'as kiffé, ça va? Ouais, franchement, moi j'ai kiffé. Hein. Kiffé. L'année dernière, on s'est vu à Marbella. Ouais. Là, on se voit à Los Angeles. Mmh. Ça veut dire, on se voit où la prochaine fois? Je sais pas, mais dans le globe. On va tourner le globe comme ça. On va... Easy. Tu m'as dit, t'as jamais tourné au Japon. Ouais, Japon, peut-être, c'est lourd. Peut-être là-bas. Ouais. Ce serait lourd, Japon. On verra. Carré, parfait. Merci, frérot. Salut. Elle voulait que j'arrive et moi, elle voulait son sac de marque, elle faisait la diva. Elle faisait la diva. Elle voulait que j'arrive et moi, elle voulait son sac de marque, elle faisait la diva. Je l'avais pas vu celle-là. Elle voulait que j'arrive et moi, elle voulait son sac de marque, qui côté la diva. MDM, j'ai pas calage, je réponds pas, je suis pas carave, une sorcière comme.